le décret D 2021-39-PRG-SGG du 25 octobre 2021 portant nomination du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Décrète article 1er. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la santé et de l'hygiène publique et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière de santé et d'hygiène publique et de veiller à leur application, d'élaborer et de mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes et projets en matière de santé et de l'hygiène publique, d'élaborer et de mettre en œuvre les stratégies de transfert des compétences aux collectivités locales dans le domaine de la santé et de l'hygiène publique, d'apporter aux collectivités locales les appuis conseils nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes et projets de santé et d'hygiène publique, de promouvoir la santé des populations, d'élaborer les schémas d'organisation des soins, de délivrer exclusivement les autorisations et agréments aux établissements intervenant dans le domaine de la santé sur l'ensemble du territoire national, de coordonner et d'assurer le contrôle technique des soins de santé primaire, de la médecine traditionnelle et hospitalière, des laboratoires, des pharmacies et des centres alimentaires dans les structures de soins publics, privés et mixtes. De faire le plaidoyer auprès des acteurs de la santé et de l'hygiène publique pour la mobilisation des ressources en faveur de la résolution des problèmes de santé et d'hygiène publique. De veiller à l'approvisionnement des services de santé en médicaments, autres produits de santé et en matériel spécialisé. De veiller à la formation continue des personnels de santé. De promouvoir le partenariat public-privé dans le domaine de la santé et de l'hygiène publique. De promouvoir et de coordonner la recherche opérationnelle en santé, de veiller à l'application des conventions, traités, accords sous-régionaux, régionaux et internationaux en matière de santé et d'hygiène publique auxquels la Guinée a souscrit, de promouvoir le genre et l'équité dans les activités du secteur de la santé et de l'hygiène publique, de prendre en compte la dimension environnementale dans les programmes et projets de santé et de l'hygiène publique, de participer aux rencontres, colloques, conférences, séminaires et négociations sous-régionaux, régionaux et internationaux traitant les questions relatives au domaine de compétences du ministère. Chapitre 2. Organisation. Article 2. Pour accomplir sa mission, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique comprend un secrétaire général, un cabinet, des services d'appui des directions nationales, des services rattachés, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 3. Le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions de politique sanitaire et d'hygiène publique, les hôpitaux et centres médicaux de premier recours, l'Observatoire national de la santé, le secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le VIH-SIDA. Article 7. Les organismes publics autonomes sont la Pharmacie centrale de Guinée, l'Institut national de santé publique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les centres hospitaliers et universitaires, les centres hospitaliers régionaux, l'Institut national de la santé mentale et des maladies addictives, l'Institut de médecine légale. Article 8. Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans les domaines d'intervention spécifiques du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Article 9. Les services déconcentrés sont la Direction de la Santé et de l'Hygiène publique de la ville de Conakry, les inspections régionales de la Santé et de l'Hygiène publique, les directions préfectorales de la Santé et de l'Hygiène publique, les directions communales de la Santé et de l'Hygiène publique de la ville de Conakry. Article 10. Les organes consultatifs sont
le Conseil national de la santé et de l'hygiène publique, le Comité national d'éthique pour la recherche en santé et l'hygiène publique, les commissions et comités consultatifs de santé et d'hygiène publique, les ordres professionnels de la santé, le Conseil de discipline. Chapitre 3. Dispositions finales. Article 11. Des décrets du président de la transition fixent séparément les statuts des organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale, du bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics, des services déconcentrés ainsi que des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 12. Des arrêtés du ministre de la Santé et de l'Hygiène fixent les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents, ainsi que des services rattachés et des services d'appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 13. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry le 26 janvier 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya.